Bien, donc tout d'abord, je vous remercie hein, pour cet accueil à l'Université de La Rochelle, avec laquelle nous avons toujours plaisir hein, à travailler hein, dans le cadre du dans le cadre du séminaire commun. Donc je vais traiter aujourd'hui des colonies césaro-augustéennes et poser la question suivante. Ont-elles été des vecteurs de l'hégémonie culturelle romaine en Orient grec? J'ai présenté donc un plan que vous voyez ici. Ensuite, une carte. Alors, la carte, oui, on arrive à déchiffrer un certain nombre de choses. Et ensuite, éventuellement, là, par contre, la quête. En mode diaporama, ce serait plus. En mode diaporama. Excusez-moi, ah oui, ce sera peut-être sans doute mieux. D'accord. Enfin, c'est pas grave. Pour moi, ça ira quand même. Bien, alors, pour commencer, hein, il faut savoir que les colonies romaines établies par Rome, en pays grec ou hellénisé, représentent finalement un aspect très particulier hein, de l'impérialisme romain. Ces émanations de l'État romain, que l'on, en milieu hellénophone, que l'on rencontre de façon finalement ponctuelle, comme le montre cette carte, eh bien, dans les provinces orientales de l'Empire romain, constituent un exemple privilégié pour l'étude des contacts culturels gréco-romains. D'autres types de communautés de citoyens romains se sont établies dans l'Orient grec, et ce, dès l'époque hellénistique, mais elles étaient constituées, en fait, de marchands et de commerçants, d'hommes d'affaires venus d'Italie, qui ont essaimé dans le bassin Ageen à partir de la fin du IIe siècle. Parfois, ils se sont intégrés hein, dans les cités grecques en épousant des femmes grecques. Ils ont acquis la citoyenneté hein, de la cité dans laquelle ils étaient installés. Le cas le plus remarquable est celui d'Athènes. Parfois, au contraire, ils ne s'intégraient pas et formaient donc des groupes de clos sur eux-mêmes. Ces groupes clos sur eux-mêmes, on les appelle les coentus, quium romanorum, donc finalement des groupes de citoyens romains. En revanche, la fondation des colonies a constitué un phénomène limité à la fois dans l'espace et dans le temps. La plupart d'entre elles ont été fondées, comme vous le voyez sur le diaporama, entre 46 avant Jésus-Christ et 15-14 avant notre ère, de César jusqu'au mi-temps du principat d'Auguste. Autre originalité, la fondation de colonies s'accompagne de l'installation, déduction, de citoyens romains, qu'ils soient d'ailleurs des vétérans, donc d'anciens légionnaires, ou des civils. Avec une conséquence majeure, qui me fait dire que ce phénomène est impérialiste, puisqu'il traduit par la force la suprématie de Rome sur une terre étrangère, transformée en ager publicus, c'est-à-dire une terre du peuple romain. Le phénomène est le suivant, c'est que la communauté politique autonome grecque est instantanément dissoute. Hein, elle est dissoute et remplacée par une entité politique nouvelle, la colonie, qui était formellement une portion de la République romaine en milieu provincial. En conséquence, les institutions politiques grecques étaient alors définitivement abolies et les anciens citoyens, qui étaient pourtant chez eux depuis des temps immémoriaux, étaient déchus de leurs droits civiques et dépossédés de leurs terres, le plus souvent, et évidemment de leur citoyenneté.
Ils étaient donc relégués dans ce qui avait été leur propre cité, au rang de résidents. Les Romains donc les appelaient des incolae, et le terme grec c'est paroipioi. Alors, et lorsqu'il y a déduction des colonies, eh bien, le latin se substitue alors au grec comme langue officielle de la communauté. Les colons romains accaparent bien sûr la vie publique, et les terres donc sont prises à leurs anciens propriétaires et distribuées aux colons, même s'il reste une partie des terres qui restait entre les mains, on le verra, des Grecs. Ainsi, l'installation d'une colonie romaine constituait une coupure radicale, brutale, nette, pour la communauté grecque antérieure. Et les colonies romaines donc témoignent de façon délibérée, hein, non masquée, de l'hégémonie politique, c'est notre thème, hein, de Rome. Pour autant, les Romains ont-ils cherché à faire des colonies des vecteurs, ou même en utilisant un terme un petit peu atténué, hein, des médiateurs de l'hégémonie culturelle de Rome? Alors les Romains, c'est-à-dire les autorités romaines, César, les impératores, Auguste, ont-ils cherché à faire des colonies des médiateurs culturels et au mieux des vecteurs? Nous verrons que non, alors que l'idée est plutôt quand même séduisante a priori, puisque un auteur d'époque tardive, Olugel, dans les Nuits attiques, donc les Noctes Atticae, hein, donc écrite sous le règne de Marc Aurèle, hein, c'est un érudit, Olugel écrit que les colonies romaines étaient des images réduites et des reproductions de Rome, avec évidemment du coup la domination de la langue latine dans le domaine officiel, des institutions romaines, un sénat ou ordo decurionum, un populus, des magistrats de type romain, dum vir, quaestor, édile, et puis surtout des bâtiments publics romains, forum, basilique, théâtre, amphithéâtre, hippodrome maçonné, des bains, qui pouvaient évidemment constituer tout ce décor, hein, architectural, pouvait constituer une sorte de vitrine de Rome transplantée en pays grec, et qui pouvait évidemment charmer les Orientaux, à l'instar de ce qui s'était passé donc en Occident, où là effectivement les colonies romaines ont été des vecteurs de l'hégémonie culturelle de Rome. Pourtant, pour plusieurs raisons, eh bien, les colonies romaines n'ont pas véhiculé la culture romaine en Orient grec. La première raison est toute simple, hein, c'est que les colonies ont été créées pour des raisons économiques et politiques, dans un contexte précis, celui de la démobilisation massive des troupes des généraux, hein, des impératores, César, Octavien, Marc-Antoine, et après Axium, Octave Auguste, pour contrôler des routes stratégiques, peupler des régions où la présence romaine était faible, conserver des liens de clientèle entre les colons et les chefs de guerre, et accorder aux plus pauvres des Italiens, ruinés d'ailleurs par les guerres civiles, des terres. Alors évidemment, ceci s'est fait à la fois en Occident et en Orient, des prolétaires italiens, par exemple, ont été installés à Corinthe. Alors la question clientélaire est tout à fait centrale. Le général qui installait d'anciens légionnaires, donc des vétérans, pouvait compter sur leur fidélité politique. Alors, des calculs ont été effectués. Une colonie pouvait compter environ entre 2000 et 3000 hommes. 3000 colons à Antioche de Pisidie. Alors, Antioche de Pisidie, hein, donc au centre de l'Anatolie. 2000 à Kremna et à Olbaza, 1000 à Lystra et à Comana, hein, ce sont toutes ces cités qui se trouvent sur le plateau anatolien, 500 à Parlaïs, c'est-à-dire environ 10 000 colons. Si l'on ajoute d'autres colonies,
On aboutit, si on ajoute donc Lampsaque, Parion, Alexandrie de Troade, Ninica, Iconium, nous avons environ 15 à 20 000 colons, avec 80 000 personnes, hein, si l'on compte leurs familles, pour cette seule zone finalement du plateau anatolien, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Ce qui est beaucoup, le chiffre est important. Alors l'objectif est de contrôler les routes, les voies terrestres comme les voies maritimes. Il y a des voies terrestres majeures. Alors, oui, du coup, je n'ai pas l'ascenseur, puisque c'est en format diaporama. Il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est la Via Egnatia. Oui, non. Alors, la Via Egnatia, on peut la repérer, voilà. Vous voyez, elle va de Dyrrachium, qui est une colonie. Elle passe ensuite par une autre colonie. Donc, vous avez notamment Apri ou Aprus. Et puis ensuite, elle rejoint Byzance. C'est l'artère principale qui structure la péninsule balkanique. Hein. Donc, ne nous étonnons pas qu'il y ait eu plusieurs colonies fondées le long de la Via Egnatia. Cette notion, entre parenthèses, de contrôle des routes et des voies maritimes se lie donc essentiellement dans la fondation des colonies romaines de Macédoine et d'Achaïe. Elle n'exclut pas d'ailleurs l'arrière-plan clientélaire. Pompée, on le sait, a été très puissant en Grèce. Il avait installé des pirates hein, qu'il avait capturés. Il les avait installés donc à Dimée. Et Dyrrachium lui avait servi de base arrière en 48-47. En conséquence, César installa ses fidèles dans ces deux villes qui furent transformées, élevées au rang de colonies. Un changement d'échelle, il faut le dire, a eu lieu lorsque Octave Auguste dut massivement, cette fois, démobiliser à la fin des guerres civiles. 180 000 vétérans ont été installés après Actium, en Orient, en Macédoine, en Achaïe, en Syrie, on voit quelques colonies syriennes ici, en Pisidie. Mais voyez, il y a des zones non touchées. Par exemple, la Lycie-Pamphylie, la province proconsulaire d'Asie, l'Égypte également. Bon. Le but, parfois, est de revivifier des régions en déclin. C'est le cas, par exemple, pour l'Achaïe. Avec cette colonie centrale qu'est Patras. Patras est une colonie gigantesque qui dispose d'un très vaste territoire colonial. Le cœur du territoire est formé donc par une ville, hein, la ville de Patras, où sont installés les vétérans. Sont agglomérés les villages environnants et les terres sont centuriées et distribuées évidemment aux colons. Des territoires voisins, donc des cités voisines, sont attribués à Patras. Accolés au territoire de Patras, vous avez à l'origine donc ce territoire indépendant, hein, qu'est la colonie de Dimée, qui a été fondée donc par César. Petit à petit, Dimée, qui se trouve donc en Achaïe occidentale, a été sous Tibère, donc le successeur d'Auguste, intégré au territoire de Patras, en termes techniques, hein, c'est ce qu'on appelle une colonie contribuée. Autrement dit, Patras s'étend au point d'inclure une autre colonie qui va dépendre d'elle. Bon. Pour résumer, là il y a d'autres points de détail, mais pour résumer, il faut comprendre qu'Auguste a voulu installer
un centre économiquement hégémonique en Achaïe qui visait véritablement à réorganiser administrativement et économiquement l'espace du nord-ouest du Péloponnèse. On voit qu'il opère de la même manière, mais avec une modalité autre, en Épire, avec la création d'Axia Nicopolis, hein, par synecisme cette fois. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'Olugel, qui écrivait que les colonies étaient des images réduites et des reproductions de Rome. C'est exact, mais finalement, ce qui explique que ces colonies n'ont pas été des vecteurs de l'hégémonie culturelle romaine, c'est que ces colonies n'étaient pas des images figées, hein, de Rome, transplantées dans les provinces, tout simplement parce que toutes les cités pérégrines qui les entouraient étaient des communautés locales, autonomes, vivantes. Et du coup, ces colonies n'étaient absolument pas des îlots de romanité hermétique. Et ceci pour cinq raisons que je vais évoquer maintenant. La première de ces raisons, donc c'est le deuxième point, hein, c'est ce modèle d'acculturation à rebours que je vais décrire, c'est que les colonies fondées à l'emplacement des cités grecques pluriséculaires auxquelles elles furent substituées étaient peuplées encore de pérégrins hellénophones et elles étaient immergées en milieu provincial. Et donc, ces communautés de citoyens latinophones venus d'Italie étaient quand même perméables aux influences extérieures. Pourquoi ? Parce que malgré l'abolition des entités politiques antécédentes, hein, puisque, comme je l'ai dit, la colonie dissout la police, hein, la cité grecque précédente, eh bien, du fait de la déduction de vétérans, les colonies romaines n'ont jamais voulu faire table rase, du passé, des cités dont prenaient la place, notamment dans le domaine architectural. C'est-à-dire que les colons romains ont vécu dans un décor grec. Ensuite, les anciens habitants, quoique privés de leur qualité de citoyen, puisqu'ils n'étaient pas colons, et donc ils n'avaient pas la citoyenneté de la colonie, ont été autorisés, le plus souvent, à demeurer sur le territoire de colonie, des colonies, d'où leur nomination, d'où leur appellation d'incolae, même s'ils avaient été expropriés des meilleures terres, ils reçurent en général des terres de moindre qualité, mais souvent, c'est par recueil, donc sont restés sur place. Ensuite, cette population locale continue à parler sa langue ancestrale, évidemment le grec, et à rendre un culte à leur divinité ancestrale, de sorte que nulle part le grec ne fût éradiqué. Donc là, j'ai évoqué uniquement l'emplacement de la colonie. Deuxième raison, les colonies ensuite sont plongées dans un milieu grec. Il suffit là de voir la carte, il faut imaginer, vous avez là donc une vingtaine de colonies, mais il y a des centaines, hein, de cités tout autour. Donc, elles sont immergées dans un milieu grec, cernées par des cités grecques, et les Romains, pour des raisons très pratiques, devaient commercer avec leurs voisins grecs, devaient donc apprendre le grec, la langue grecque. Et s'il est un domaine important, hein, pour comprendre l'acculturation à rebours des citoyens romains, c'est celui de la langue, puisque c'est dans le domaine des usages linguistiques que la faculté d'adaptation des colonies romaines à leur environnement culturel a été, sur le long terme, le plus manifeste.
la langue de la politique, la langue institutionnelle, c'est le latin. D'accord. L'affichage épigraphique des textes officiels devait adopter le latin. Il en allait de même pour le monnayage, jusqu'à la fermeture, hein, évidemment, des ateliers monétaires sous le règne de Galien. Ce conservatisme a été respecté jusqu'au IIIe siècle, alors même que le grec était devenu, dans la plupart des colonies romaines, la langue de loin la plus fréquemment employée, tant à l'écrit d'ailleurs qu'à l'oral. En revanche, très tôt, dès la première génération et évidemment dès la deuxième génération des colons, dans les inscriptions privées, non officielles, eh bien, le grec a dominé. Le grec a dominé très vite. Tout simplement parce que les colons durent apprendre la koiné. La langue grecque, en effet, était la langue véhiculaire pour les contacts entre les citoyens romains et les pérégrins. Les colons, on s'aperçoit, hein, on le voit très bien lorsqu'on étudie les inscriptions grecques, les colons honoraient les divinités locales, leurs propres divinités, et les divinités locales en grec, et par contamination, selon des rythmes différents, il est vrai, le grec s'imposa même dans l'épigraphie officielle, dans les textes officiels. Les choses vont très 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 vite à Corinthe, dès le règne d'Adrien. Les inscriptions officielles sont rédigées en grec, un peu plus tardivement, dans des milieux plus conservateurs, comme Philippe de Macédoine. Puisqu'il faut là attendre le milieu donc, du IIIe siècle pour voir donc, des inscriptions officielles rédigées en grec. Il y eut, bien évidemment, on le comprend, des interactions linguistiques. L'adoption, par exemple, de l'accusatif hein, pour les dédicaces, selon l'usage grec, pour indiquer donc, le nom de l'honorandus, hein, de la personne honorée, au lieu du datif hein, latin. Même chose, on observe l'introduction de lettres de forme grecque au milieu de mots gravés, pour le reste, en latin. Comme sur les monnaies, d'ailleurs. Cela signifie qu'il y a un phénomène très profond, qui est le suivant, c'est que le lapicide, celui qui grave les inscriptions, est sans doute le locuteur hein, qui commande l'inscription, ne maîtrise plus le latin. Tout simplement. Donc, on arrive à un point très étonnant, c'est que les colons, finalement les fils de colons romains, ne savent plus clairement écrire et sans doute même parler latin. Il y a donc ensuite une troisième raison. La charte coloniale, la lex coloniae, hein, qui instaurait la naissance de la nouvelle cité, excluait par principe le maintien d'institutions polyades, hein, des institutions grecques, dans la nouvelle communauté. Mais on observe cependant, de façon paradoxale, que de nombreuses colonies d'Orient eh bien, ont introduit au fil du temps, là encore, des charges publiques, des magistratures, des liturgies, et encore plus souvent des prêtrises, d'origine grecque dans leurs institutions. Hein. Pourquoi ? Eh bien, sans doute par contamination. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des magistratures grecques dans les cités environnantes ou des liturgies que les Romains ont adoptées par pragmatisme. Alors, il faudra évidemment faire une étude beaucoup plus fine pour savoir si, finalement, les colons romains ont fait un tri, auquel cas ils ont consciemment été les décideurs, ou bien si, au contraire, ce genre d'emprunt reflète vraiment une influence culturelle grecque sur les colonies. Et à ce moment-là, les Romains auraient été sous influence grecque, hein, pour le coup. Et là, il y aurait une acculturation à rebours quasi totale. Bien. Alors, il y a une autre question
dans quelle proportion la citoyenneté romaine a été accordée à la population locale, hein, donc à ces incolae. Lors de la formation de la colonie, il y a eu des individus privilégiés qui étaient issus de l'élite locale, qui sont restés en place. Certains d'entre eux, petit à petit, hein, lorsqu'on étudie colonie par colonie, pour ma part, j'ai étudié très très précisément la colonie d'Apamémyrléa, la colonie donne, l'ordo des Curionum en fait, hein, mais qui s'appelle à l'époque déjà Boulet, hein, donne la citoyenneté au compte-gouttes. Bien. Mais au fil du temps, un certain nombre donc d'anciens Grecs obtiennent la citoyenneté coloniale, qu'il faut bien distinguer de la citoyenneté romaine, ne deviennent pas pour autant citoyens romains. Hein. Évitons un contresens. Ils sont colons, par exemple, de la colonie d'Apamémyrléa, de la colonie d'Antioche de Pisidie, etc. Alors à ce moment-là, évidemment, l'accession de ces Grecs à la citoyenneté romaine leur donne des avantages fiscaux, économiques, et ces avantages pouvaient aussi attirer des populations grecques des cités voisines, qui obtenaient du coup la citoyenneté, qui pouvaient obtenir la citoyenneté de la colonie. Et ces derniers, évidemment, avaient avantage à obtenir ce statut, puisque ils devenaient donc citoyens d'une colonie romaine, hein, donc c'était tout à fait honorifique. Et d'un autre côté, eh bien, les colonies romaines avaient grand avantage d'intégrer les élites grecques des cités voisines, puisque ces élites grecques étaient argentées, hein, et donc pouvaient payer toutes les charges, les liturgies et donc la somme honoraire pour les magistratures. Donc finalement, c'était un échange gagnant-gagnant, hein, et on le voit notamment dans un discours, dans deux discours bithyniens que prononce Dion de Pruse à l'occasion donc des relations qui régissent Apamémyrléa et sa cité d'origine, Prusa de l'Olympe. Alors cette question est très importante en réalité, puisque plus les colonies attirent des pérégrins qui obtiennent la citoyenneté de la colonie, eh bien plus ces colonies vont être ouvertes sur la culture grecque, sur le monde grec, puisque ces pérégrins installent avec eux, évidemment, la culture hellénique, dont ils sont les héritiers depuis toujours. Et on observe que plus les colonies sont ouvertes à cet apport grec, plus elles vont s'héléniser rapidement, du moins dans les domaines culturels, linguistiques et religieux, et peut-être même, là il faudra faire une étude qui n'a pas encore été faite de façon exhaustive, dans le domaine institutionnel. Là, ce sera vraiment très intéressant, hein, ce ne serait pas un énorme travail, il faudra avoir un peu de temps, mais ça mériterait un beau sujet de master, hein, par exemple. Alors, au contraire, il y a des colonies, hein, qui forment des isolats qui n'acceptent pas ou très difficilement la venue de pérégrins, hein, dans leur communauté. Et là, on s'aperçoit que le caractère latin va persister plus longtemps. C'est le cas, par exemple, à Berytus, à Beyrouth, hein, qui est une colonie où la langue latine perdure très longtemps, aussi parce qu'il y a une école de droit, hein, de droit romain, évidemment, qui va être installée. Quatrième raison, je regarde le chronomètre, dans le domaine des cultes, les cultes sont avec la langue le champ dans lequel l'héritage issu des cités grecques s'est révélé le plus substantiel dans les colonies en Orient. Et c'est là que les interactions avec les pratiques importées par les colons italiens sont les plus étoffées. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la création d'une colonie n'impliquait jamais la dissolution du panthéon local. Hein, les Romains n'ont jamais dissous le panthéon grec, mais dissous totalement, mais ils ne l'ont pas forcément réciproquement conservé intégralement. Hein, c'était du cas par cas.
Les lois coloniales, par contre, en revanche, impliquaient l'existence de rites pratiqués dans le culte officiel de la religion romaine, à savoir les prises d'hospices, des sacrifices propiatoires, le respect du droit sacré, ce qui impliquait l'existence de plusieurs prêtrises publiques, comme l'augura, le pontificat, le flamina. Bien. Et l'acte lui-même de fondation des colonies constituait en une cérémonie religieuse. Hein, c'est la fameuse scène de traçage du sillon sacré, hein, du sillon pomérial, que les colons, auquel finalement le conditeur, hein, en général un magistrat ou le gouverneur, procède. Les colons devaient élever un capitolium et les dieux traditionnels locaux ont été intégrés au panthéon colonial et honorés à la fois d'ailleurs dans le cadre public et dans le cadre privé. Alors bien sûr, la nature, et c'est le cinquième point, la nature profondément romaine des colonies d'Orient, qui se manifeste à la fois par les institutions, la langue latine, les cultes, s'est également illustrée de manière emblématique dans les types monétaires. Ceux-ci représentaient le plus souvent, du moins lors des premières émissions, des scènes, des symboles typiquement romains, comme la louve, des enseignes légionnaires, qui renvoient évidemment à la déduction de vétérans, ou encore cette scène que je viens de décrire, hein, l'acte de fondation coloniale, c'est-à-dire le traçage par le légat, hein, du sillon sacré. On observe cependant, là aussi, avec le temps, eh bien, la progressive substitution à ces types proprement romains d'une iconographie nouvelle qui évoque des divinités locales. Alors là, vous voyez, des divinités grecques qui apparaissent sur ces monnaies coloniales romaines avec des épisodes mythologiques, de sorte que des traits hérités de la cité grecque antécédente, préexistante, eh bien, ont été finalement revivifiés. Ceci est perceptible dans toutes les colonies. Et c'est tout à fait symptomatique, hein, de l'appropriation par les communautés de citoyens romains d'une partie du passé grec, des entités donc politiques qu'elles avaient remplacées. Donc nous avons là un exemple le plus éloquent d'un héritage grec dans les colonies romaines d'Orient. Donc pour terminer cette deuxième partie, hein, j'irai très rapidement... J'évoquerai très rapidement donc le cas de Corinthe, juste à travers quelques exemples. Pour terminer cette seconde partie essentielle, les colonies romaines d'Orient n'ont pas été des agents de la romanisation, hein, des provinces grecques. Cela n'a pas été la raison de leur fondation. Cela n'a pas été, ce n'a pas été donc la raison pour laquelle elles ont été fondées. Contrairement à ce que l'on a pu observer dans les provinces occidentales, hein, de l'Empire, où les colonies ont contribué très largement à diffuser certains éléments typiques de la civilisation romaine, c'est-à-dire l'organisation politique, la langue, les mœurs, la culture matérielle, comme le rappelle Tacite à propos de la cité de Camulodunum, hein, en Grande-Bretagne. Eh bien, les colonies installées en pays grec ne formèrent pas des centres à partir desquels la langue latine ou les institutions romaines se seraient propagées en direction des communautés pérégrines à l'échelle régionale. C'est même l'inverse qui a prévalu. L'influence des colonies romaines sur leur environnement provincial s'est révélée minime et à terme, ce sont les communautés romaines elles-mêmes qui furent assimilées par leur milieu.
Alors, que les exemples de romanisation de communautés indigènes sont innombrables dans l'Occident romain, les colonies romaines d'Orient représentent un cas rare d'acculturation en remous, hein, où ce sont les communautés romaines qui ont été absorbées par leur environnement culturel. Alors, vous avez un cas extrême que je vais évoquer en deux minutes, c'est celui de Corinthe, qui a la colonie de Corinthe, donc colonie commerçante, a adhéré aux Panhellénions en 131-132, donc sous Adrien. Je rappelle que le Panhellénion, c'est une ligue qui a été créée par l'empereur Adrien en 131-132, à vocation religieuse, une ligue de cités grecques, hein, où il fallait donc montrer, faire preuve, donc il fallait disposer d'un brevet d'hellénisme. Et Athènes était le centre du Panhellénion, et la colonie romaine de Corinthe a fait partie donc du Panhellénion. Alors là, je vais juste commenter en diagonale, donc j'abandonne toute note, du discours prononcé en 175 après Jésus-Christ par Aelius Aristide. C'est un panégyrique, hein. Donc il vante à la fois Poséidon, Poséidon parce que c'est le dieu l'honneur duquel les jeux ismiques, donc les concours triétériques, ont lieu, et il développe donc le thème archi connu, hein, de la richesse de Corinthe. Donc il parle des deux ports de Corinthe. Donc il y a d'un côté le golfe Saronique, de l'autre côté le golfe de Corinthe, le port de Cancrée sur le golfe Saronique, donc un autre port, le Lécaïon sur le golfe de Corinthe, bon, une grosse cité commerçante, une région donc dont l'abondance n'est plus approuvée, une agora. Alors il utilise le terme étonnant, hein, une agora, communo-grecque. Communo-grec. Alors, aux Grecs, c'est intéressant parce que, évidemment, il s'adresse à un public grec, puisqu'il y a là les jeux panhelléniques. C'est normal. Mais il y a tout un public romain, hein, puisqu'il est dans une colonie romaine. Bien. Ensuite, un refuge commun à tous, et il y a derrière, en filigrane, hein, le terme explicite cette fois de métropole. Métropole. Il utilise ce terme qui est juste, puisque Corinthe a été une métropole importante, une cité mère importante, qui a diffusé des colonies un peu partout dans le bassin Égéen. Mais en même temps, il y a un mot qui, vous le voyez, qui n'est jamais prononcé. Corinthe est une colonie. Ça n'apparaît nulle part dans le discours. Et là, ça ne dépend pas des extraits que j'ai choisis. Nulle part, Corinthe n'apparaît comme une colonie romaine. Or, il s'adresse à ce public bigarré, hein, mélangé avec des Grecs qui viennent de partout, mais essentiellement quand même des colons romains, et cela ne choque aucunement ces colons romains d'être appelés Grecs. Hein. Un refuge commun, donc on voit ce terme de en filigrane de la proxénie, que je ne développe pas, la cité d'Aphrodite, très bien, et en tant que base de l'équité, là, ça mérite peut-être juste un mot, la cité est encore aujourd'hui l'arbitre du droit pour les Grecs. Il y a des références très anciennes que je n'ai pas le temps que je ne peux pas développer là. Simplement, Corinthe, il faut savoir que Corinthe est la capitale de l'Achaïe. Et donc, c'est là que le gouverneur de province, le proconsul de rang prétorien, réside. Et c'est là qu'on tranche les conflits juridiques. C'est là qu'il y a le coentus juridicus. Et cette phrase est intéressante puisque depuis toujours, Corinthe passe pour être une cité où a régné l'équité. Et aujourd'hui encore, dit Aelius Aristide, eh bien, la cité, l'équité règne à Corinthe, sous-entendu, grâce au proconsul romain. Mais, donc, c'est un message qui provient, en provenance d'Aelius Aristide, hein, qui est un message
finalement, qui vise à pacifier les relations entre Grecs et Romains, un message œcuménique, assurément, mais cela engage aussi le proconsul, puisque si l'équité a régné depuis toujours à Corinthe, le proconsul, en revanche, doit délivrer finalement des sentences justes. Donc c'est un message à double sens. Juste une dernière image pour terminer. Voyez, voilà, je suis à Aphrodisias ici, il y a un hippodrome. Aphrodisias se trouve en Carie, c'est-à-dire donc dans la province d'Asie. Je remonte, là je suis à Perguet. Perguet avec son théâtre complètement maçonné à la romaine. Or, Perguet est en Lycie-Pamphylie, il n'y a aucune colonie en Lycie-Pamphylie. Autrement dit, il y a une influence culturelle romaine, mais cette influence culturelle romaine n'a pas été, en quelque sorte, ne s'est pas fondée sur la présence de colonies proches. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement, dans le domaine architectural, une influence romaine que l'on voit un peu partout en Asie mineure, mais les colonies n'ont pas été des centres de diffusion, y compris dans le domaine architectural, puisque dans toutes ces régions, il n'y a pas une seule colonie romaine. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long. J'arrête là. Merci beaucoup. Merci pour cette excellente publication. Y a-t-il des questions ? Alors, j'aurais deux questions. La première, c'est la citoyenneté des colons romains. Je me demandais s'ils perdaient leur citoyenneté quand ils arrivaient dans la colonie pour avoir un meilleur statut au sein de la colonie ou s'ils gardaient quand même leur statut de citoyen romain. Alors, en réalité, la citoyenneté romaine, il la conserve. C'est-à-dire qu'ils sont citoyens romains. Là, c'est ce qu'on appelle donc il n'y a que deux citoyennetés possibles, en réalité, la citoyenneté romaine et la citoyenneté pérégrine. Et là, ils sont citoyens romains, mais qui vivent dans une cité qui s'appelle Antioche de Pisidie. Donc, ils ont à la fois la citoyenneté antiochéenne et la citoyenneté romaine. Donc, il conserve très précieusement la citoyenneté romaine, puisque c'est grâce à la citoyenneté romaine qu'ils vont pouvoir, par exemple, plaider en justice auprès du proconsul et éventuellement bénéficier des privilèges qu'offre la citoyenneté romaine, notamment ce qu'on appelle l'opsiophorie, c'est-à-dire le droit d'être jugé ailleurs que dans sa cité, c'est-à-dire auprès du proconsul ou même à Rome. Ce que n'offre pas la citoyenneté locale, de sorte que les pérégrins, par exemple, d'Apamée, Myrléa, qui peuvent, ou d'autres, qui peuvent obtenir la citoyenneté coloniale locale, ils ne peuvent l'obtenir, à mon sens, que s'ils sont au préalable citoyens romains. C'est-à-dire que, à Prusa de l'Olympe, un certain nombre de notables ont obtenu la citoyenneté romaine. Et ensuite, du coup, ils vont pouvoir obtenir la citoyenneté coloniale. Ils vont être à la fois citoyens de Prusa de l'Olympe, leur petite patrie. Ils sont citoyens romains, ils l'ont obtenu par divers moyens. Et ensuite, ils ont une autre citoyenneté, la citoyenneté de la colonie. Quel intérêt ? Eh bien, être citoyen de la colonie d'Apamée Myrléa, en l'occurrence, c'est la cité qui jouxte Prusa de l'Olympe, c'est que Apamée Myrléa, c'est une cité dotée de ce qu'on appelle le jus italicum, le droit italique. C'est-à-dire que c'est une cité qui est exempte de tous les tributs. Donc, ils sont exempts, évidemment, de la capitation qu'ils ne payaient pas en tant que citoyens romains, mais même donc de l'impôt sur le sol. Voilà pourquoi c'était avantageux pour eux. Donc, il y a des citoyennetés multiples. C'est un phénomène tout à fait intéressant qui est maintenant assez bien connu.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les citoyennetés multiples n'apparaissent pas dans les inscriptions, ou très peu, pour une raison simple, c'est que, imaginez que vous êtes citoyen de Prusa de l'Olympe, vous êtes donc grec, vous êtes citoyen romain, eh bien, lorsque vous allez être ensuite inhumé dans votre cité d'origine, eh bien, à ce moment-là, ou même honoré hein, par des inscriptions de votre vivant, il est très délicat à l'égard de votre petite patrie, votre patrie d'origine, où vous exercez des magistratures, montrer que vous êtes également citoyen de la ville voisine, de la colonie voisine. Tout le monde le sait, mais le montrer de façon ostensible, ça ne se fait pas. Hein. Sauf pour, mais vraiment un personnel très peu nombreux, les grands artistes, par exemple. Hein. Les artistes, j'entends les gens qui participent au concours panhellénique, qui ont des citoyennetés multiples, eux n'hésitent pas à le montrer. Les sophistes également, les rhéteurs, eux ont des citoyennetés multiples et le montrent. Mais c'est très délicat hein, parce qu'il y a un patriotisme de clocher, un patriotisme local très très fort. Hein. Et donc, on sait qu'il y a des citoyennetés multiples, mais on le sait plutôt par des sources littéraires et non par des sources épigraphiques. Hein. Et donc là, c'est très trompeur, puisque si l'on ne voit que les sources épigraphiques, on peut penser qu'il y a eu très peu de citoyennetés multiples. En réalité, il y en a eu beaucoup plus. Voilà. Merci. Et je me demandais, alors c'est plus une remarque qu'autre chose, mais est-ce qu'il n'y a pas une acculturation des Grecs au niveau du droit, parce que les Grecs qui sont dans la colonie se retrouvent sous le joug du droit romain. Oui, 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 bien sûr. Et donc, cette fois, par contre, au niveau juridique, ils perdent totalement leur tradition et leur droit de la cité. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que les Incolae perdent tout droit. C'est-à-dire que ceux qui restent sur place et qui ne parviennent pas, c'est la majorité hein, d'entre eux, à obtenir la citoyenneté romaine, n'ont aucun droit dans cette cité. Hein. Ils perdent tout. Du coup, ils ont plutôt intérêt. Alors, ils gardent l'avantage de conserver des terres, pas les meilleures, hein, puisqu'ils sont distribués aux colons romains, mais ils ont des terres. Mais par rapport aux citoyens des cités pérégrines voisines, effectivement, ils sont désavantagés, puisque les citoyens des cités grecques voisines conservent finalement le droit local. Eux le perdent. Donc là, ils sont perdants sur le plan, vous avez tout à fait raison, hein, sur le plan du droit. Et ils sont tout à fait désavantagés de ce point de vue-là. C'est vrai. Merci. On peut passer à la seconde intervention. Alors, je vais essayer de m'en occuper.